Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bonjour, ce lundi 22 juillet 2024, depuis l'Est de la République, c'est Congo Live Télévision. Je reçois M. Muzalendo ce matin pour parler de la nation. Monsieur Moïse Hangi, bonjour et bienvenue sur Congo Live Télévision. Merci, bonjour à vous David, bonjour tout le monde, très chers téléspectateurs de Congo Live Télévision. Le plaisir est pour nous de vous retrouver encore une fois pour parler de la guerre, pour parler de la nation et surtout de cette souffrance que nous sommes en train d'endayer et nous sommes en train de traverser, nous qui sommes ici à l'est de la République démocratique du Congo. Au nom de toutes les victimes, nous vous saluons également, nous disons merci pour votre attention et surtout le fait que vous continuez à vous préoccuper de ce que nous sommes en train de traverser comme souffrance. Comme je l'ai dit au départ, ici on parlait encore de la nation, de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. La semaine passée, de menaces pesaient sur la cité de Kanyabayonga où les rebelles du M23 tentaient de récupérer cette cité où plusieurs jeunes résistants Wazalendo ont signalé leur résistance. À ce jour, qu'est-ce qu'il faut noter sur la suite de ces affrontements? La situation n'est pas vraiment bonne de part et d'autre, donc dans les Rutshuru, également dans les Masisi. Mais il faut dire ici qu'ont été les efforts et la détermination de VDP, même tout Lubero serait déjà sous le contrôle de l'ennemi, y compris les territoires des Masisi dans son entièreté. C'est justement parce qu'il y a des jeunes indignés et révoltés par cette situation aussi injuste qui nous est imposée par les agresseurs et qui ont décidé en tout cas de se sacrifier pour les salis de la République. Malheureusement, ces compatriotes restent non accompagnés, restent vraiment ils ne sont vraiment pas motivés par qui que ce soit. Les gouvernements les délaissent et ça fait vraiment mal parce que la situation elle est tout autre. On allait quand même être tant soit peu soulagé de voir les autorités tant nationales que provinciales essayer un peu en tout cas d'accompagner ou de soutenir l'action de Wazalendo pour voir dans quelle mesure, du possible, l'autorité de l'État devrait être rétablie. Mais avec vraiment cet allure, je pense qu'il y a en tout cas, nous sommes en train de craindre que le pire nous arrive avec l'attitude du gouvernement à l'égard des compatriotes Wazalendo. Et ne sont pas concernés. En tout cas, en tant que des Wazalendo, nous ne sommes pas concernés par toutes ces distractions. Trêve humanitaire, cessez les faits. Ça, c'est des termes qui ne sont pas la bienvenue chez nous. Nos terres sont en train de partir. Nous n'avons pas le choix que de nous défendre, que de nous sacrifier. Malheureusement, le gouvernement est aussi indifférent. Le gouvernement fait semblant, effectivement, de cet état des choses. Comme qui dirait, le gouvernement est, je dirais, complaisant vis-à-vis de la situation que nous traversons. Des villages sont en train de partir, des agglomérations sont en train d'être contrôlées par l'ennemi, mais le gouvernement se contente d'accepter des trêves en trêves qui ne résolvent rien. On a cru que pour les 15 premiers jours, l'ennemi allait laisser un couloir pour les humanitaires, pour les organisations d'apporter de l'assistance aux compatriotes déplacés des guerres qui sont ça et là, qui sont très nombreux. Tel n'a pas été le cas. On vient encore de proroger cette trêve pour 15 jours. Est-ce que vraiment Kinshasa ne réalise pas qu'il est en train de sacrifier la population et de décourager ces VDP, ces Wazalendo qui sont déterminés à défendre leur terre? Je crois qu'il faut qu'on essaie un peu, en tout cas, de nous dire la vérité droit dans les yeux et de nous ressaisir. Je ne suis pas ici en train de jeter de l'opprobre au gouvernement ou de vouloir m'attaquer à qui que ce soit, mais j'essaie un peu de faire juste une observation personnelle et c'est triste. Nous sommes en guerre. La province est en train de partir. De village en village sont en train d'être sous le contrôle de l'ennemi. Présentement, on ne contrôle plus Kirumba, on ne contrôle plus Ruindi, on ne contrôle plus, effectivement, Rubaya. Plusieurs mois, le gouvernement a accepté de céder tous ces minéraux de Rubaya à l'ennemi. Et même les Wazalendo, qui se disent être prêts à défendre la République, ont l'air de laisser. C'est quand même triste, c'est révoltant. Et personnellement, je crois que le président de la République est le commandant suprême de FRDC, avec tous les services à sa disposition, le ministre de la Défense, le chef d'état-major général des FRDC, tous les services de renseignement, toutes les unités de l'armée,
En tout cas, il y a lieu de se ressaisir et de réorienter les tirs. Sinon, la République va partir. Le Rwanda va vraiment aboutir. Il va atteindre son objectif qui est celui, effectivement, de balkaniser l'Est du Congo. C'est comme si on nous a déjà sacrifiés. Je ne comprends pas si ceux qui sont à Kinshasa comprennent que nous sommes tous des Congolais. En dépit de la distance, c'est le Congo qui est menacé. C'est la terre de nos ancêtres qui est sous emprise de l'ennemi et on ne devrait pas vraiment se comporter de la manière dont nous sommes en train de voir les choses. Alors qu'on parle de Wazalendo ici, comment il se comporte depuis les débuts de cette trêve? Mon cher, le Wazalendo se comporte bien. Ils sont vraiment engagés à défendre la République. Malheureusement, ils sont délaissés. Loin d'être délaissés, ils sont même en manque de munitions. Hier même, j'ai contacté certains qui sont au niveau de Bweremana et d'autres qui sont à Minova, qui disent être vraiment en manque de munitions. Vous ne pouvez pas prétendre gagner une guerre n'ayant pas de matériel de guerre. Prétendre gagner une guerre avec des éléments qui ne sont pas motivés. Vous êtes au front, vous n'avez pas à manger, il faut qu'il y ait la relève, mais ceux qui sont d'abord sur les lignes de front, ils n'ont rien. Mon cher, c'est vraiment compliqué et moi je suis en train en tout cas d'exhorter Kinshasa à essayer un peu d'être quand même, je vais dire, sérieux dans cette affaire. Parce que c'est des vues humaines qui sont en train d'être fauchées, c'est des villages qui sont en train de partir. Je ne sais pas s'il y en a parmi eux qui sont au courant de la situation que traversent nos compatriotes déplacés de guerre. Parce qu'ils me disent qu'ils vont en Tesseka, mon cher. Si vous arrivez à Mugunga, à Kanyarutinya et un peu partout ici dans la ville, vous allez en tout cas, vous risquez de pleurer. Vous aurez vraiment pitié de ce que nos compatriotes déplacés de guerre vivent. Quand vous arrivez juste au niveau de ça que vous avancez, façon on est en train de piller Rubaya, ça fait vraiment, ça révolte. C'est nos minéraux à nous, c'est nos richesses, mais qui sont en train de partir sous l'œil, je vais dire, complaisant de Kinshasa, sous l'œil impuissant des autorités. Ça fait mal, mon cher. Ça fait vraiment mal. On arrivera à Kanyabayonga un peu après, mais on reste d'abord dans les territoires. La situation est tendue, même on là-bas. On va y arriver tout au long de cette émission, on essaiera de parler. L'autorité de l'État est absente presque dans toutes ces agglomérations. On en parlera, M. Moïse, comme on parlait de la situation sécuritaire dans l'est du pays, on parle plus précisément, voulais-je dire, je m'excuse, de jeunes résistants Wazalendo de VDP aujourd'hui qui s'engagent, où nous voyons même d'autres jeunes qui sont déterminés aujourd'hui, qui continuent à rejoindre les groupes de Wazalendo. Alors, revenons dans les territoires de Masisi. Il faut un très bon travail. On va y arriver. Et la Constitution le demande à tout citoyen. Lorsque l'intégrité du territoire national est menacée, tout Congolais est appelé à se lever. Debout Congolais, chacun est invité à apporter sa pierre d'édifice pour que la paix soit rétablie. Ce n'est pas une affaire de qui que ce soit, c'est l'affaire de nous tous. Certainement que le gouvernement a la majeure partie de la responsabilité, mais c'est que le Wazalendo faut, je vous assure, personnellement, j'ai beaucoup d'estime et de respect envers ses compatriotes. C'est des gens qui n'ont pas de salaire, ça je dois les rappeler. Les Wazalendo n'ont pas de salaire. Pendant qu'on donne aux ministres des 40 000 dollars, 45 selon les informations que j'ai eues, ils sont autour de 40 et 45 000 le mois. Mais un Wazalendo qui se sacrifie, un Wazalendo qui ne dort pas, exposé à toute forme d'intemprie, reçoit moins de 200 dollars. Et c'est de l'argent qui ne vient pas fréquemment. On peut juste les appeler, on va les motiver aujourd'hui. Des semaines après, on ne va rien donner. Même pour les militaires, ce n'est pas seulement le Wazalendo. Vous savez aujourd'hui, les barèmes salariales de nos militaires, l'enveloppe salariale qu'on remet aux militaires, c'est vraiment insignifiant. Aujourd'hui, les derniers militaires, au moins le militaire du premier rang, deuxième rang, il n'a pas plus de 150 dollars. Et les caporales, les sergents consorts, ce sont eux qui sont autour des 200 consorts. Pourquoi est-ce qu'on peut vraiment continuer à espérer mettre fin à cette guerre en n'entretenant pas nos hommes en uniforme? C'est quand même des citoyens qui ont des familles, c'est des responsables, des foyers, c'est des gens qui ont des enfants et consorts et qui font un travail très respectueux pour la République,
mais qui ne sont pas effectivement considérés par la République. Les politiciens se tapent des millions à Kinshasa, les députés nationaux, les sénateurs, vous connaissez combien ils reçoivent. Moi, je crois que cette injustice aussi, par moment, ça fait défaut. Et il faut qu'on le dise entre nous, chers compatriotes. Est-ce que vraiment vous trouvez normal qu'on essaie un peu de déséquilibrer cette façon-là de gérer nos hommes en uniforme? Donc moi, je crois que le mal, il est profond et il faut qu'on se le dise. Parce que j'ai toujours été convaincu, et je le dis toujours, dire la vérité, c'est le début du changement. On ne peut pas prétendre au changement aussi longtemps qu'on continue à nous mentir entre nous-mêmes. On continue effectivement à faire semblant des tristes réalités qu'il y a. Je vous dis, il y a des militaires qui sont détenus. Nous sommes parmi, en tout cas, les pays qui a des militaires plus qu'engagés. Moi, j'ai des respects envers les FARDC. J'ai des respects envers les Wazalendo. C'est des compatriotes qui ont prêté serment pour la défense de l'intégrité du territoire national. Et certains, même quand certains villages tombent, ces militaires sont en train de nous appeler et vous dire, cher, vous qui êtes des Wazalendo et de la société civile, aidez-nous. Parce que vous savez, bon, les militaires ne peuvent même pas marcher. Ils n'ont pas ce droit-là. Ils ne peuvent même pas s'exprimer comme nous le faisons ici. Ils n'ont pas ce droit-là. Mais quand on échange avec eux, de manière particulière, mon cher, ça fait froid au dos. Les militaires souffrent. Les Wazalendo souffrent. Qu'est-ce que le gouvernement attend? Peut-être qu'ils attendent que Goma tombe. Bon, je ne suis pas un prophète de malheur, mais Goma aussi peut-être tombera avec cet allié. Voyons voir. Alors, comment parler ici, comment parler de la situation dans les territoires de Masisi? On se rappelle le lundi de la semaine passée, lundi, mardi, les rebelles du 23 qui ont largué des bombes dans cette cité. Plusieurs alors personnes. Alors qu'on est en trêve, ils larguent des bombes en violation de la trêve qui a été négociée par le gouvernement. Vous trouvez ça normal? Vous allez et qui réagir, ça, c'était, il n'y a rien qui est fait par réagir, le président de la République. Le ministre de la Défense, le nouveau ministre, rien. Les chefs d'état-major, mon cher, c'est ce que j'essaie de parler, nous sommes abandonnés à notre triste sort. Nous sommes comme des orphelins. On y va lentement, s'il vous plaît. Vous allez réagir. Permettez que je pose ma question. En tout cas, comprenez mon émotion. Moi, ça me fait mal au cœur. Lundi et mardi de la semaine passée, les rebelles ont largué des bombes dans la cité de Bweremana. Causa plusieurs dégâts matériels et humains. Autour de 10 personnes. Alors, ma question est... 10 personnes qui sont décédées. Nous n'avons pas senti même un message de condoléances, encore moins une mesure de nature à soulager nos compatriotes de là. Des maisons ont été détruites. Jusqu'à présent, aucune mission humanitaire ou d'assistance de la part du gouvernement à l'endroit de nos compatriotes. Est-ce qu'on peut vraiment faire un effort d'être humain? Je ne sais pas. Ceux qui disent que la guerre se passe à 2000 km, moi, ça me révolte. Ce genre d'expression, c'est des expressions. Voilà, des on va y arriver, des expressions s'il vous plaît. Que nous ne continuerons pas à tolérer. On va y arriver. Il faut qu'on essaie un peu d'être. Ma question, à ce niveau, comment ça s'est passé juste après? Parce qu'aujourd'hui, nous entendons, il n'y a plus de menaces. Les rebelles du 23 ont été éloignés. Voilà, permettez. Il n'y a plus de menaces. Permettez que je pose au moins non, ma question. Non, c'est quand même grave. Permettez que je pose ma question. Ah. Ça ne pèse plus comme on l'entendait. Les rebelles étaient déjà. Monsieur Moïse, permettez que je pose au moins ma question. Ça va. Les rebelles du 23, d'après des sources sires, ont fait savoir que les rebelles étaient déjà à 5 km de Bweremana. Ce que nous voulons connaître ici, est-ce que les rebelles sont à Bweremana, ils ne sont pas à Bweremana? Comment ça s'est passé juste après? Ils ne sont pas encore à Bweremana. Ils ont largué des bombes à Bweremana, causant la mort de 10 compatriotes et plusieurs maisons qui ont été détruites. Jusqu'à présent, aucune mission officielle du gouvernement n'est déjà déployé à Bweremana pour assister ses compatriotes ou même pour essayer un peu, tant soit peu, de soulager leur douleur. Parce que vous savez que les humanitaires, certains opèrent d'y arriver. Mais présentement, les Wazalènes sont toujours là. Donc ils ont largué des bombes. C'est comme ce qu'on a vu très dernièrement à Goma. Je crois qu'on était parti avec vous enterrer nos compatriotes. Autour de 50 encore, il n'y a pas de mois. Nous sommes avec vous. Vous êtes témoins, David. Nous sommes partis enterrer au cimetière de Génocoste, dans le territoire de Nyiragongo, autour de 50 personnes qui ont été effectivement tuées par les bombes larguées par les rebelles du M23 depuis leur position dans le territoire de Masisi. Et ils ont largué ces bombes jusqu'au niveau du quartier Lac Vert. Et des compatriotes sont décédés, y compris des femmes enceintes et des enfants.
on aurait appris que c'était effectivement des attaques ciblées contre l'opposition des FARDC vers les collines de Mugunga, mais malheureusement, c'est des compatriotes qui sont décédés. Ce n'est pas fini. Maintenant, à Bweremana, d'autres viennent de mourir. À Beni, n'en parlons même pas. C'est comme si on a déjà oublié les calvaires qui ils se passent là-bas. Ils ne sont pas arrivés à Bweremana. Comment ça s'est passé? À Beni, c'est les années. On va y arriver. Dans moins de deux mois, on a perdu plus de 200 personnes et la République fait comme si de rien n'était. On est encore dans les territoires de Massissi, s'il vous plaît. Comment ça s'est passé juste après Bweremana? Donc à Massissi, après les bombes qu'ils ont larguées, les FARDC et les Ouazalendo, ils ont essayé un peu de calmer la situation et de maintenir le calme. Donc jusqu'à présent, en tout cas, croyez-moi, Bweremana, c'est sous le contrôle des FARDC, même Minova, bien que c'est des villages qui se sont vidés plus de leurs habitats. Donc la démocratie a vraiment sensiblement baissé. Il y a des compatriotes de Bweremana qui sont même au niveau de Samsam, donc au niveau de Mugunga, dans les cas de déplacés. Alors, on va terminer par les territoires de Beni où nous avions entendu que plusieurs jeunes de la région s'intègrent aujourd'hui à ces mouvements de VDP, volontaires. On n'a pas le choix, mon cher, la République est en train de partir. Monsieur Moïse, félicitations, très cher. Beaucoup de courage à vous. S'il vous plaît, ces jeunes ont demandé l'autorisation au gouvernement congolais de les doter des armes afin de défendre eux-mêmes la patrie. Mais on est en guerre. La guerre, ça veut dire qu'on utilise les armes, non? Vous pensez qu'on utilise quoi? Mais le gouvernement doit essayer un peu de motiver ces jeunes. Il doit les subventionner, bien qu'il faut qu'il y ait un contrôle. Certainement, on sait tout ce qu'il y a de faux Ouazalendo qui jouent les jeux de l'ennemi. Je ne vais pas ici les défendre ou les dédouaner. Mais les vrais Ouazalendo, il faut qu'on leur donne tout ce qu'il leur faut pour qu'ils défendent la République. Sinon, on va fuir tout le monde. Peut-être même Kinshasa tombera. Si on reste vraiment dans cette atmosphère, ne soyez pas surpris. Les RCD risquent de se répéter. Nous risquons de vivre. Mais ça, c'est fort, M. Moïse. Ça, c'est fort. C'est fort, mais je vous dis ce qui est vrai. Des gens sont en train de mourir. Mon cher, on est africain. Quand quelqu'un meurt, c'est grave. C'est vraiment grave et on ne devrait pas même parler. Moi, je vous dis, déjà, mais à Bweremana, on fait comme si de rien n'était. Chers compatriotes, je sais que vous êtes nombreux en France, aux États-Unis, en Belgique, en Australie, en Afrique du Sud, partout à travers le continent africain. Sachez qu'ici au Congo, on est en train de nous exterminer. Ici à l'Est, des compatriotes sont en train de mourir comme des mouches. Et il n'y a rien qui est fait, non seulement de la part du gouvernement, même de la part de la communauté internationale. Les alertes que nous faisons deviennent comme des lettres mortes. Même nous qui avons ce courage, peut-être que demain, on va nous décapiter. Nous n'avons plus l'espoir de vivre. La situation est la plus grave. Des minéraux de notre pays continuent d'être exploités. Pourtant, c'est nos richesses à nous qui devraient bénéficier effectivement à nos frères, à nos futures générations et à nos enfants. Rubaya, je ne sais pas si vous connaissez Rubaya, mais c'est exploité depuis plusieurs mois par les rebelles. Goma a reçu plus de 3 millions de déplacés de guerre et qui ne sont pas assistés jusqu'à présent. Tous ces compatriotes, chers téléspectateurs, souffrent énormément. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe dans les cas. Je ne sais pas, peut-être qu'on peut vous balancer les images et les vidéos. C'est catastrophique ce qui se passe dans les cas des déplacés. Et le gouvernement se contente de décréter des trêves. Certainement que la guerre, on l'amène sur plusieurs fronts. C'est une recommandation des États-Unis, M. Moïse. Mais les États-Unis, nous sommes un État souverain. Les États-Unis viennent faire quoi dans notre pays? C'est nos compatriotes qui ont essayé de mourir. Est-ce qu'on a tué un Américain? Est-ce qu'on a tué, je ne sais pas, un Français ici? C'est des Congolais, des pères et des mères qui sont en train de mourir. Je disais donc, chers compatriotes, que l'air est grave. On est en train de nous exterminer. Peut-être que vous avez aussi vos frères et sœurs qui ont été aussi victimes dans cette guerre, raison pour laquelle nous le disons avec le ton le plus ferme, mobilisons-nous, faisons pression, faisons des plaidoyers auprès du gouvernement pour qu'il prenne ses responsabilités à main. Nous avons une armée qu'on appelle les FARDC, nous avons des jeunes résistants, patriotes Ouazalendo, qui sont déjà sur toutes les lignes de front et qui sont déterminés à déloger l'ennemi de toutes les agglomérations qu'ils occupent. Si nous ne faisons rien, même Goma va tomber, même nous qui merci sommes en train beaucoup, de faire beaucoup de bruit, merci peut-être beaucoup. On va nous décapiter. Nous ne sommes pas en tout cas en train de prophétiser le malheur, mais nous faisons un appel en tout cas à l'éveil patriotique, nous faisons un appel à la mobilisation, nous faisons aussi un appel à l'endroit du gouvernement pour qu'il prenne ses responsabilités à main en vue de restaurer l'autorité de l'État et la paix. Nous avons besoin de la paix, rien que la paix. La guerre nous a tout
elle nous a, elle a tout pris. Nos êtres chers, nos richesses et consorts, il faut qu'on s'élève. Lèvons-nous surtout contre ces agresseurs qui sont en train de comploter contre notre pays au profit des impérialistes, les Rwanda, l'Ouganda, les Kenya. Et je pense que le président de tous ces États qui sont en train de se réjouir de notre malheur, il finira aussi très mal. En même temps, ils sont en train de nous organiser à l'interne. Et ça sera possible, la paix pourra revenir. On a vu le colonel Mamadou Ndala qui a fait le maire de lui-même et cette rébellion était défaite en 2013. On a vu un général, plutôt un colonel qu'on appelle Bauma, ils ont fait le maire d'eux-mêmes et nous sommes parvenus effectivement à revivre la paix et le bonheur. C'est encore possible, mobilisez-nous, apportez l'assistance aux déplacés de guerre si vous le pouvez. Mobilisez-vous aussi pour encourager les Wazalendo, aidez-nous aussi à faire pression au gouvernement pour qu'il reprenne ses responsabilités. Amen. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette émission sur Congo Live Télévision. J'ai reçu Moïse Hangi et Muzalendo ce lundi. Merci, monsieur Moïse. On se fixe un nouveau rendez-vous à la prochaine pour d'autres actualités. Merci, David. Merci surtout à nos compatriotes qui sont à Masisi, à Rubaya, à Bweremana, à Minova. Merci aussi à ceux qui sont à Kanyabayonga, à Kasei, à Kirumba, à Bunagana, un peu partout à travers le monde également. Très chers compatriotes, nous sommes de cœur, en dépit de la distance. Nous sommes fiers de vous, de votre mobilisation. Ensemble, nous allons relever les défis et la paix pourra revenir. Je suis disponible sur le plus de ça, 43 9 9 25 42 946, je réitère le même numéro à retrouver sur WhatsApp, 99 25 42 946. Inch'Allah, Pamoja, Uzalendo, Utashinda.